Très bien, donc nous sommes repartis, épisode 14, il me semble. J'ai pu tourner donc deux épisodes hier. Donc je reprends, donc on revient de... donc je viens de recharger la partie. La dernière course c'était le truc de Monster Truck, je crois. Hey Carl. Hey, what the fuck, man? Hey Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you up. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. What, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agents? Kids like you. You expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right, I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now, this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. Voilà, donc on apprend que Toredo, en réalité, c'est un agent de... alors certainement de la DEA, hein, le stup américaine. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Mais c'est pas dit dans le jeu. You losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. Ok. We need to jack a truck on the freeway. It's headed to San Fierro. Ok, alors, on va juste regarder la carte rapidement avant. Ok, donc il est sur ce pont là. Donc comment j'accède à ce pont là? Je vais... alors je vais aller tout droit. Puis là à gauche. Je vais mettre le marqueur ici. Juste pour me souvenir qu'il faut... wow. Ok, puis on arrive à contresens, donc faut se méfier. We can get on the freeway here, Holmes. Pas... what's the plan? I'm gonna pull alongside and you gonna hop aboard. Oh shit! Je sais pas s'il se rapproche ou s'il s'éloigne. Il s'éloigne. Je suis sur la bonne voie. It'll be a walk to the port. Tell Kendall I love her. À gauche du ouais, à gauche du camion. Closer, CJ, closer. Speed up, CJ. Putain, pourquoi le flic il a fait ça? Purée. What do you think? I'm a Mexican jumpy bean closer. Oui. Ah.
Non, là le. Ok, CJ, let's get this rig back to the garage. Bon, on va prendre la prochaine sortie normale. Parce qu'il faut pas qu'on perde la cargaison. Donc on va faire le grand tour. Ouais, puis c'est tout droit, ça va, c'est bon, ça le fait. Ouais, tout droit, Non, je me plante de... Je me plante de sens, excusez-moi. Oula, puis là c'est de l'eau. C'est par là. Thanks, homie. Oh la vache, la vache. Salut le gamin. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Bon allez. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi là. J'avoue, j'ai fait n'importe quoi. Ah, vous voulez de l'épicness? Je vais vous en donner, moi. C'est moi où il y avait un truc décrit sur le pare-brise du camion et je l'ai pas vu. Vous verrez au ralenti, moi je crois qu'il y avait quelque chose décrit sur le pare-brise du camion. Bon, attendez. On va s'arrêter 2 minutes. Voilà, je m'en doutais. Here, now. Don't screw around. What an asshole. Ok. Où est-ce que c'est? On retourne là où on était avant, c'est ça? Non, visiblement non. Ah si, 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 si. Bon. C'est pas si loin que ça, on va y aller. Est-ce que c'est, on va passer vraiment par le pont de San Francisco? On va faire attention. Histoire qu'on passe dessus au moins une fois. Et bah de toute façon, c'est le freeway alors. On va prendre... zoom, s'il te plaît. Ici, c'est un pont ou c'est... Non, ça a l'air d'être un pont. Donc, on va plutôt reprendre... Bah, on va reprendre à gauche. Ouais, on va reprendre un petit peu vers le sud. Allez, hop. Ok. Very intelligent. Quel con. Oh super. Bon désolé. J'ai pas été sponsorisé par Coca-Cola, c'est pas un placement produit, hein, c'est dans le jeu. Mais honnêtement, je trouve que la petite référence Coca-Cola, elle est sympa. Hein. Bon. On peut remonter par là. Hey,
pas remonter par là. Bon. C'est juste histoire qu'on passe par là parce que... Alors, ok. Là. S'il faut, on se regivrait une voiture, hein, c'est pas un problème. Et bon, on est dessus. J'ai pas envie de me faire rechercher par contre. Hashtag la vitesse. Hein. Eh, m'en doutais. Je me doutais que le moindre choc... Wouhou! Ça va, je suis arrivé. Ouais, juste aller sauvegarder. Attendez, hop. Non, franchement, cette voiture est juste énorme. Juste aller sauvegarder. Non, si, je veux sauvegarder. Voilà. Sympa la bagnole. Ça peut aussi celle-là, Julien. Roger that, big monkey. I got a 13-6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. But in 15 by the fat moon. Break your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-wing. Cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them, but you do know all about them. Dang! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop? You just don't understand it. It's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country, and over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Yours reminds me, come here. Okay? I need you to head over here in the buggy outside. Okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo these collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. No. Come on, get out of here. Bon, donc là si je me souviens bien, alors je vais prendre, ouais, je vais prendre ça. Et comment, donc là si je me souviens bien, faut monter en haut d'une colline et il y a des ennemis, faut défoncer et puis c'est tout. Allô, oui. Alors, ok, on va passer par le, ah oui, je me souviens de ce barrage là. Il y a un overcraft, je crois, là-dedans. Si je me souviens bien, il y a un overcraft. Thank you.
Ouais, dommage, ça passe pas. Si, ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vache. Oh, le mec. Mais... on fout, les gens. Wow. Je passe par là, ça raccourcit. Sauf si je me retourne. Je me retourne. Ok. Je se rapproche un petit peu à patte. Voilà, allez. Hop. Hein? Ah ouais, il m'a vu prendre la voiture. Ouais, oh, c'est ma voiture. J'ai la carte grise et tout, hein. Monsieur l'agent. Bon, ça va, quand on a qu'une étoile, le jeu, il fait pas chier. Oui, je connais le raccourci du désert. Oula, non. J'ai passé le truc. C'est quoi ce boucan? T'as fugue? Ah, c'est un geyser! Ah, j'avais pas compris ça comme ça, moi. Attendez, par contre, par contre, il est où le... Je suis paumé, c'est pas possible. Attendez. Attendez. Ok, en fait, au premier virage, j'aurais dû prendre en haut. Je me suis planté de route. Ok, autant pour moi. Ah, man, thanks for that. Hit me, fool. Hey, bouge-toi. Voilà, c'est par là. C'est quoi ce cri? On entend comme quelqu'un respirer. Ouais, et c'est pas moi qui ai fait ce bruit là, hein. C'est dans le jeu. Ça fait plus. On entendait comme un homme respirait. Méga chelou le truc. Bon, on a le choix du véhicule. Déjà on va détruire celui-là. Ok, mauvaise idée. Très mauvaise idée.
stop doing that? Faire double. Mais passe à travers. C'est bon, je l'ai. Ok, c'est bon, je l'ai par balle capri. J'ai eu de la chance. Oh la vache, non mais c'est pas possible. Je peux pas en avoir un à tête chercheuse, s'il vous plaît. J'en ai fait une peu, hein. Parce que je crois que sa vie, elle était vraiment basse. De quoi? Il me demande de reprendre ma voiture que j'avais avant. Qui est toujours intact. Alors, comment ça se contrôle? Non, ça c'est pour tirer.
Non, ça c'est pour sortir. Ok. Ok, ok, c'est bon. Ah, puis je suppose qu'avec page down. Ouais, c'est ça. Bon. Disons que c'est pas très facile à contrôler, mais je m'en sors. Alors le truc c'est que quand j'avance, je pique du nez parce qu'en fait, voilà, faut être comme ça pour pouvoir faire avancer l'hélico. Mais j'ai l'impression que j'ai pas un hélico très rapide. Nickel pour un premier avion, enfin pour un premier hélico. Donc je monte avec Z, je descends avec S, je tourne avec A et E, et je fais page up et page down pour diriger vers le vers l'avant ou l'arrière. Ok. T'as seulement 1000 dollars pour tout ça, la vache. On a un hélico. On a un hélico. Non, c'est cool l'hélico pour se déplacer, surtout dans le désert, quoi. Parce qu'en voiture, c'est pas forcément évident. Mais qu'est-ce que... Où tu vas? Où tu vas? Allez, on y retourne. Ah, par contre le son est assez désagréable, mais bon. En plus il doit être super fort pour vous je crois. Mais je peux pas le régler. On va juste prendre suffisamment. Non 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 non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Non, pas non plus. Allez. Je vais laisser. Parce que le problème c'est qu'à la souris, je peux pas contrôler la caméra. En fait je devrais désactiver le contrôle à la souris des hélicoptères. Pas un hélico trop top, mais il est cool quand même. Non, je me garde devant. Comment ça passe tout?
c'est quand même la classe. Enfin, c'est un tout petit hélico, mais en plus... il y a un symbole de tête de mort et tout. Non, il est classe en plus, il est classe. Honnêtement, je le trouve classe. Bon, je suppose qu'on va le perdre à la prochaine mission, mais ça fait rien. Au moins, je sais où en trouver un. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself, and then we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey, man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy. Little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country with this shit. You know, we try hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl shit. Get out of here. Come on. Be it. Ouais, on va acheter l'aéroport. Enfin, l'aéroport, la piste. Ah, j'avais pas vu le sur le côté. Le... Attendez, je le remontre. Sympa, là. Stand Strayer, d'accord. J'avais pas vu le petit logo sur le côté, là. Avec la petite pin-up. Non, pas par là, par là. Je remonte et à chaque fois, en fait je fais des grandes vagues quoi, pour pouvoir aller plus vite. Bon alors là il va y avoir énormément de jeux de piste, en fait il va falloir faire l'école d'aviation en fait. Ah bah il y a un héliport, nickel. Voilà.
Michael. Alors, combien ça va nous coûter? 80 000. Bagatelle. Bon, on va sauvegarder ici. J'aimerais quand même que je mette à jour l'autre de sauvegarde. Si elle commence à dater, si jamais celle-là elle plante, il va falloir que je me retape tout. Bon, ouais, on va juste attendre l'appel de l'autre con. Bon, on va faire la première mission d'avion. Well, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool would help motivate me better. Very nice, Carl, very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. I set up a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly. If you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit. Whatever, man. Very nice. Bon. C'est parti. Là, c'est ce qu'on va faire. Oh, faut décoller. Ah oui, alors par contre, en avion, je sais pas comment faire. Bon, il va nous donner la... Matière Z. Page haut pour lever le nez et décoller. Okay. Ah oui, c'est ça. Non, 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 on décroche. J'ai pas compris, faut aller où? Ah, et pour rentrer sur l'étage, d'accord. Ok, d'accord, maintenant faut que j'aille vers la sphère lumineuse. Ok, c'est parce qu'en fait tu manques une étape. D'accord, ok. Bon, ok. Pas facile à contrôler cette histoire, hein. Voilà. Et ben voilà. C'est pas compliqué. Atterrir. Ouais, bon. Alors, attendez. Parce que là, on a eu une petite cinématique. Et on a eu notre premier cours de pilotage. Donc je vais aller enregistrer d'abord. On va aller sauvegarder presque à chaque mission. Allez, toutes les deux. Et là, toutes les deux leçons, on va sauvegarder. Comme ça. On perd pas grand chose. Si jamais le jeu crache, au moins je peux récupérer sans problème. Enfin, au pire, je perds une mission, quoi. Bon, donc là, atterrir. Non, c'est pas ce qu'il fallait faire.
Voilà. Donc, et pour sortir le train d'atterrissage. Allez, vol en cercle. Ouais, donc là, il va falloir que j'utilise... Bon. Vers la droite. Allez. Il va falloir que je décolle et tout. Je peux pas... Je peux enlever le train d'atterrissage, celui-là, ok. Ah, pour virer à gauche. D'accord, mais là... Ah bah non, bah, il m'a pris à gauche, je sais pas pourquoi. Wow, 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 eh oh, c'est... Non, 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 eh oh, c'est pas possible en avion, ça, normalement. C'est possible de faire ça en avion? Bon bah là, je l'ai raté. Ah oui, c'est vrai. Quand on se crache dans l'eau, on explose. J'avais oublié ce détail, dis donc. Bon. On va en profiter pour acheter cette propriété. Alors, je pense qu'on va s'appliquer des règles, hein, clairement. Par exemple, quand j'échoue deux fois une mission, je coupe et je la passe. Hein. Parce que sinon, on va perdre trop de temps là-dessus. Bon. Là, elles sont comment les maisons ici? Ouais, c'est les mêmes quoi. Bon. Non. Ah, c'est chiant, c'est leur truc qu'ils ont mis. Ils ont mis quitter sur entrée, mais quelle connerie! Ah, je peux le changer, je crois, mais je suis pas sûr. C'est la classe, hein. Bon. J'ai regardé. On va jeter un œil quoi. Juste. Donc on est là. Ah oui. Ah oui, on est là quand même. Ah oui, oui, ok, oui, d'accord. J'avais pas vu notre propriété qu'on pouvait acheter. Ouais, faut être dehors pour le voir. Ouais, c'est ça. Y a une autre propriété ici. Tant pis. Et je crois que la propriété là-bas tout à droite, si je l'avais acheté hors caméra. Donc, ok, puis il manque une propriété à San Fierro. Ici. Donc ça, je les achèterai hors caméra. Je les achèterai hors caméra. Et purée, c'est pas à côté l'autre truc. Bon. Bah. Hey, what's up? Hey, how's the flying coming along? Yeah, well, shit, man. I was gonna holler at you about that, cause you know, I'm... Will you listen to yourself? Admit it. You're scared. Maybe just a little. Until you've walked right into the middle of a Bedouin armed dealer's camp with nothing but a briefcase full of cash, you don't know the meaning of fear. Oh, yeah? Try going to the swap meet in Idlewood sometime. Learn to fly, Carl. Oh. Oh. All right, fool! Whoop.
N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. What? Pourquoi j'ai perdu toute ma graisse? What you want, Torino? Well, what do you want, Carl? You want your brother out of jail? Okay, listen. Bon. Il nous harcèle au téléphone pour qu'on y aille, mais on est en route, on est en route. C'est juste qu'on a canné entre temps. Et je voulais absolument acheter une propriété dans le coin, donc... Ce petit truc-là aussi, je sais plus ce que c'est ce truc-là. What you been drinking? C'est efficace, pas de pote, visiblement. Did you buy your license? Bon, je passe. Ok. Allez. Voilà, violence. Carl, learn to fly. I'm on it, man, I swear. Hey, me, I'm on it, man, I swear. Same old broken record, Carl, but that's fine. Cause your brother's getting a new cellmate tonight. Horse cock Harry, and I'm sending a present, a little wedding present. Big tub of lube. Shit, dude, okay, I swear, man, I'm gonna be the best pilot. I'd love to hear you, Carl, I can't hear you. All I can hear is your brother's love cries as 8 kilometers of cock finds its way up his ass. Oh, that's your brother, okay? No big problem. Wait, please, man. That was my last motivational speech, understand? Am I being too spiritual for you, Carl? Okay, man, I get the message. Bon. Juste histoire de me faire la falaise sans danger. Hein. Ok. Bon. Je vous dis, on a perdu un peu de temps là, c'est juste pour s'acheter la propriété, mais... On explorera un petit peu plus cette partie de la carte. Parce que cette partie de la carte là, le problème c'est qu'on va y être très rapidement. Je pense qu'elle a été bâclée cette partie de carte là. Avant d'arriver à l'aventure. Bon, allez. Voilà en cercle. On va voler vers la... Vers la droite. Finalement, j'ai appuyé sur le bon bouton pour bien tourner à droite. Hein. Donc en fait, à ce que j'ai compris... Parce que moi, je pensais qu'on allait en fait... Pourquoi je décroche? J'ai pas pris. Pourquoi? Normalement, je suis passé dans le. Pourquoi je me suis mis à décrocher comme ça sans raison?
décroche avant d'arriver là-bas. Comment tu veux que je fasse? Je peux pas, je suis en décrochage là. C'est quoi cet avion de merde? Y'a aucune raison pourquoi je décroche. Bah là j'ai décroché pour de bon là. C'est pas possible. Je décroche beaucoup trop vite, enfin, c'est pas... J'ai l'impression que c'est quand le jeu se met à sa côté, il me fait décrocher. Bon, allez, hop, encore un échec. Bon écoutez, je passe cette étape-là, et puis j'arrive. Bon, 3 rush kits plus tard, j'y suis arrivé. Pardon. J'y suis arrivé, et j'ai fait que 66%. Quoi? Oh non, je devais faire 70%. Oh non. Non, 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 non. Bon, 13 rush kits plus tard, on y est. Plein le cul. J'en ai plein le cul. Clairement. Putain, je dois en faire combien des comme ça? J'en ai honnêtement, celle-là, j'en ai eu ras-le-bol. Bon. Je fais une petite pause là tout de suite. Bien, on est de retour. Alors. C'est quoi celle-là? Volant en cercle à atterrir. Oh putain! Oh non, 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 le volant en cercle, c'est terminé pour moi. Bon, on va faire autre chose. On va se détendre, hein. Surtout moi. Parce que clairement j'en ai marre. C'est de la merde cette mission. C'est. On a un avion de merde, de 9 fois sur 10 je décroche. Lorsque je décolle, honnêtement, Non. Il va vers la gauche. Je suis arrivé sur un gros coup de chance la première fois. Enfin, la dernière fois, je redécroche, putain. Non, non, excusez-moi. Le sel est présent, hein. Clairement, je vais cheater comme un taré pour passer ce truc. Je vous reprends quand j'ai le... Quand j'ai tout. Quand j'ai tout. Adam Milan. Clairement. Adam Milan. Bon, 72 rush kills plus tard, on arrive à une mission un peu plus cool. On va toucher aux hélicos. J'ai pas fait de pause, hein, clairement. Et je devrais en faire une, mais j'ai pas le temps de tourner sinon. Donc voilà quoi. Je voudrais produire au moins 2 épisodes aujourd'hui. Et je pense qu'on les a pas. Clairement, on les a pas aujourd'hui. Donc, allez, alors. En plus, il a l'air cool, ce Nico. Ouais, pourquoi j'ai touché à la souris?
prendre de l'altitude, ouais. Sur Z pour te déplacer horizontalement. Hein? Et E pour tourner à droite et à gauche, ça je le sais. Ah, faut que je fasse un 360 degrés. Page bas. Je le sais. Ok. Je dois toucher la... Je dois toucher la sphère lumineuse. What the fucking hell? Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai les hélices qui bug? Bon, je vais me poser, on va recommencer. Voilà. Bon, deuxième essai, deuxième tentative. Ok, donc. Ok, en altitude. Je crois pour passer en position géostationnaire, c'est ça. Le truc c'est qu'arrive un moment. Ok, je reste stable. Quand j'appuie, quand j'arrête d'appuyer sur Z, je reste stable. Ok, donc là, j'appuie sur page down. Je maintiens Z enfoncé. Arriver jusqu'à la sphère lumineuse. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Bah, facile. Facile. 78%. Qu'est-ce que c'est? Atterrir en hélico? Bah, c'est pas bien compliqué, ça. Ah oui, je dois viser une cible. C'est ça, le truc. Donc, page bas et Z. Ouais, 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 pas ce point-là, pas ce point-là. Ah, 98%, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ah, détruire les cibles. Ça explose, ça me plaît. Alors, détruire les trois camions de piste. Ok, donc, voilà, ok. J'ai simplement... pour tirer sur les camions. Hashtag raté. Mais vas-y, je t'emmerde. Putain. Il y a un avion qui vient percuter. T'y crois, toi?
Non. Pourquoi j'ai pas pris assez d'altitude. J'ai pas pris assez d'altitude. Enfin, j'ai perdu trop d'altitude. J'ai raté le dernier. Boum. Bon. On va y arriver, hein. On va y arriver. Alors déjà, t'es pas le délit. Quel con, je me suis planté de... Je me suis planté de bouton. Bon. Non, c'est pas ce que je voulais, c'est ça. Il tira. C'est le dernier. On va y arriver. On va y arriver. Raté le dernier, putain. Il est arrivé. Oui, je crois que je l'ai vidé à pot de sel après, hein. Je vais prendre le sel, la baleine, je vais le vider entièrement. D'altitude, je l'ai dans l'os. Comme ça. Alors. Deux. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez. Tour. Oui, bien sûr, tu peux me voir maintenant. Non, c'est parce que je voulais... J'ai encore trompé de touche. Mais c'est encore trompé de touche. Mais tu chopes... J'en ai pas détruit un seul.
Ah, je ferais bien un truc, mais je sais que ça va échouer. Bah oui, c'était sûr. C'est sûr que ça échouerait, ça. Tiens, mes propriétés. Bon, écoutez, je coupe, je fais une petite pause, parce que, tant pis, vous n'aurez pas deux épisodes, là. Deux épisodes ne seront pas très ce coup-ci. Mais là, moi, j'en ai plein le cul. Bon, je me change, je fais une pause, je crois que je vais sauter la mission. Ouais, de toute façon, je saute la mission, on a vu plusieurs échecs d'affilée. Allez, à tout de suite. Enfin, pour vous, à tout de suite. Pour moi, à dans deux semaines.